Dans cette vidéo, je vais vous montrer le lien entre le nombre 666 et le casino, plus précisément la roulette. Aujourd'hui, c'est une vidéo créative, fun et aussi éducative. Pour comprendre le lien entre 666 et la roulette, 666, c'est la marque du mal dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13. Tiens, c'est marrant, chapitre 13. C'est la marque du mal et beaucoup de personnes en ont peur. D'ailleurs, la peur, ça s'appelle l'hexacosioi hexéconta hexaphobie. Ouf, il fallait prendre une grande inspiration pour le dire. Ça ne sert peut-être à rien, mais au Scrabble. Mais bon, pour comprendre le lien avec le casino, eh bien, il faut que je vous parle d'un monsieur. Ce monsieur, c'est Carl Friedrich Gauss. Oui, Carl Friedrich. Quand il avait 10 ans, son prof était toujours surpris parce qu'il faisait les exercices de calcul très rapidement. Il les avait terminés bien avant tout le monde. Alors pour l'occuper, il lui a donné un problème, pensant qu'il allait prendre beaucoup de temps. Il lui a demandé combien ça fait 1, plus 2, plus 3, plus 4, comme ça jusqu'à 100. Le prof s'est dit, ça y est, je vais être tranquille pour un moment. À l'époque, il n'y avait pas de calculatrice. Et là, Carl Friedrich qui revient rapidement avec la solution. Le prof étonné, comment il a fait? Si vous faites 1, plus 2, plus 3, plus 4, c'est épuisant, c'est fatigant. Alors que 1 plus 100, ça fait 101. 2 plus 99, ça fait aussi 101. 3 plus 98, ça fait aussi 101. Ça, il a remarqué. Comme ça, vous arrivez jusqu'à 50 plus 51, ça fait aussi 101. Et vous voyez, il fait la somme des extrêmes qui arrivent. Donc, il fait 101 fois 50. Le résultat, c'est 5050. Quel est le lien avec le casino et surtout la roulette? À la roulette, il y a 37 cases. Il y a le 0, bien sûr. Et 1 jusqu'à 36. Et faites la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4 et ainsi de suite jusqu'à 36. Que trouvez-vous? 666! Et voilà, c'était le lien. Je sais pas si c'était fun. Bon, en tout cas, les amis, si vous avez aimé, mettez-moi un pouce. Et sinon, vous pouvez toujours quand même vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir d'autres vidéos fun, éducatives. Je ne suis pas un geek et je me soigne. À bientôt, les amis.